Salut à tous YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Otaku Fan. Bienvenue sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Je pense que tout le monde, plus ou moins tout le monde, connaît ce jeu. Pourquoi cette vidéo? Nous sommes très exactement sur la version de Zelda Breath of the Wild, version Wii U. Sur émulateur. Voilà. Donc nous sommes sur un émulateur et je fais cette petite vidéo pour montrer à peu près ce que peut donner un jeu tel que Breath of the Wild sur un PC. Alors c'est pas un PC de course, c'est pas non plus, voilà, c'est pas le PC gamer à fond les ballons. C'est un modeste i5 12 Go de RAM. Avec une 1050 GTX avec 2 Go DDR5. Donc déjà, ça vous permet de voir à peu près ce que ça peut donner en émulation sur un PC qui est quand même relativement correct. Donc nous allons lancer une nouvelle partie. Et je vais me taire pour vous laissez apprécier. Alors, je joue avec une manette Xbox One. Donc, du coup, je l'ai totalement paramétrée. Regardez, bon, il y a quelques petits, des fois, quelques petits ralentissements. Mais regardez cette texture, regardez cette qualité. Sachant que je rappelle, nous sommes sur la version Wii U. Hein, c'est même pas la version Switch. Cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Ah bah oui! Ça ressemble à un écran de Switch de Wii U ou éventuellement de Switch. Un vieux pantalon.
qu'on va équiper tout de suite. Une vieille chemise qu'on va équiper évidemment. Alors, il y a quelques petits ralentissements, mais ça c'est malheureusement normal. Parce qu'il est obligé de recompiler. Donc du coup, c'est vrai que. Mais non, ça n'empêche que le jeu reste largement jouable. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Et attention les yeux. Ah, ça m'en fout des frissons. Tellement c'est magnifique. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ce jeu est graphiquement l'un des plus aboutis de toute la saga Zelda. Branche d'arbre. Attaque rapprochée. Donne un coup avec l'arme équipée. Attention, ça rigole plus. Voilà. Un champignon d'Hyrule. Ce champignon typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommé. Je rappelle, hein, nous sommes que sur la version Wii regardez-moi ce détail, cette texture. Non, laisse-moi escalader. Ce fruit commun d'Hyrule peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets dans les préparations. Pomme grillée. Cette pomme grillée directement à la flamme était un parfait petit encas, fait un parfait félin et restaure l'énergie vitale. Vieil homme. Hey, ma pomme grillée! Oh. Ouais, ça va, ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'impression que quelqu'un va ici. Ouais, qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare.
Il doit être un quelqu'un de spécial. Ouais. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Non, c'est le fruit d'une pomme. Étant donné que la pomme est considérée comme le fruit de la connaissance. Voilà. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. Ouais. Ok. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Ouais, c'est pas le temple du temps, enfin, de base, mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ouais, bah écoute, on n'a qu'à jouer à Ocarina of Time, jouer un coup d'Ocarina, et puis c'est bon, on est reparti comme en 40 ans. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Ok, tu veux juste. Ok, d'accord. Sinon, le feu. Ok, non. Que fais-tu ici? Je crois que je vais rester ici un petit moment à me marier. Des pommes grillées, il serait très bonne. Enfin, très bonne, même sans la passer sur les flammes. Mais elle est encore plus nourrissante comme ça. Je reste ici un peu, hein. Si tu as des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. J'ai dit que fais-tu ici? Ok, d'accord, c'est bon, papy, c'est bon. Par contre, ok, donc ok. Ok, non, mais c'est bon, c'est bon. Ok, maman, manger. Non, par contre, Nine, ah. Ouais, mais alors, par contre, comment on fait pour le. Oh, de toute façon, je verrai bien plus tard. Un tas de bois. Oui, c'est moi. Oh, bah c'est bon! Dirige-toi vers le lieu que t'indique la La carte carte de de la tablette la. chinoise. Ouais, bah écoute. Ah, c'est aux fonctionnalités de la tablette. Position actuelle. Alors, guidé par la tablette, jolie voix de femme, ouais, jolie, jolie, hein, chacun ses goûts. Une jolie voix de femme a retenti dans le rêve sanctuaire où vous êtes réveillé. Elle vous a donné pour instruction de rejoindre l'entrée indiquée sur la carte de la tablette Sheikah. Cette étrange tablette que vous avez obtenue à votre réveil vous rend inexplicablement nostalgique pour avoir la carte appuyée sur moi. Ok. Ouais. Et sinon, oups. Au secours, à l'aide. Non, mais non, mais. Ah. Ouais, c'est bon. Tout va bien. Ouais, je suis trop fort. Regardez, je soulève une pierre. Oups, oui, alors attends. Oui, bah bientôt se briser. Ah là là, punaise, il compile. Ah, c'est une horreur. Ok. Hache de bûcheron. Les bûcherons, les montagnes apprécient particulièrement cet outil classé pour appeler au rap en un rien de temps. Ouais.
Oh bah c'est marrant, dis donc. Bah alors Jean-Jacques, pourquoi tu t'enfuis? Reviens. Reviens, viens te prendre des coups de hache. Mériter les coups de hache, tu le sais. Oui. Ah, c'est une heure. Dès qu'il se met à compiler, c'est... Ah, passer facilement d'une arme à une autre. Ouh, je fais le ménage. Oui, non, mais, alors attends, et ça fait quoi si je fais... Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon, Link, merci. Ah oh, putain, j'ai encore des... Putain, mais il compile, mais il passe son temps à compiler. Ah, oh, c'est la première... Parce que c'est la première fois que... Prendre. Gelée chouchou. On raconte que cette masse souple qui ressemble à un chouchou est une est si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. Okidoki. Ouais, des fois, il compile, ça va, c'est pas problématique, mais. Massue Boko. Cette massue Boko Blin a été conçue dans le but unique d'assommer le gibier. Une utilisation trop bizarre risque de la briser rapidement. Ouais. Corne de Bokoblin. Cette corne ne donnera rien de bon en cuisine, mais peut être cuite avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. Bah, ça me fait une jambe en bois. Une question à la con. Ouais, d'accord, ok. Donc, c'est totalement à l'inverse, à l'opposé de ce que je dois aller. Ok. Bon, je me doute où je dois aller, hein. Mais bon. J'aime bien fouiner. Puis en même temps, je n'ai jamais fait... Oui, on est en 2020. Je n'ai jamais touché à ce Zelda. Donc... bizarre parce que je sais pas le truc ça m'embête. Un pantalon il vient. C'est mon vieux pantalon. Ah ouais, bah, et bah on va l'équiper, hein, mine de rien. Alors, si je casse. Non, ah, nein, nein, non. Ah bah voilà quand j'ai tiré le temple du temps. Alors, j'ai jamais fait jeu, mais j'en étais sûr et certain que c'est les ruines du temple du temps. On me la fait pas à moi. Hein. On me la fait pas.
Par contre, alors c'est bizarre parce que ils me disent pas d'aller par là, donc mais pourtant je sais pas, ça me donne envie d'y aller, j'ai quand même envie d'y aller quand même. Le temple putain quoi, punaise, Ocarina of Time, je sais même pas le temps que j'ai passé dans ce foutu temple. Ouais mais toi va voir mamie, j'y suis. Ah ouais, il est méchamment en ruine. Priez. La statue de la déesse vous sourit avec bienveillance. Est-ce que ça serait pas par là qu'il faudrait que j'aille? Je reviens. Tablette, t'as pas un peu picolé? Ok, d'accord, on est carrément en mode rappel, tout va bien. On va se calmer là. Ouais, j'ai failli cramer comme une merguez, tout va bien. Grillé. Ouais, bah écoute, j'ai envie de te dire que. Ah, nine. Manger. Ok. Soulever. Ou la compilation. Pourtant, alors là, moi, pas tout comprendre là. Flèche en bois.
Alors, bander l'arc et tirer. Okay. Ou alors ça serait naturellement. D'accord. Alors, un bouclier Kovo et une épée de voyageur. Scushy. Lancer une arme. Brandir, lancer. Ok. Guidé par la tablette, mais oui, mais moi je veux bien. Alors j'ai bien une idée, mais. Non. Ouais. Alors là, les enfants, je suis paumé. Je suis totalement paumé. D'accord. Alors là, je suis totalement perdu, je sais pas quoi faire. Il y a peut-être une entrée quelque part. Et là, j'avoue que Bah voilà. Oui, ça va être la dame Chica. Non, mais on t'a dit d'insérer. C'est pas ton gogol. Tablette Chica reconnue, activation. Quelques secousses sont à prévoir.
La tour du prélude. Récupération des données topographiques. La carte de la zone a été enregistrée. Souviens-toi. Souviens-toi. Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Voilà, terminé. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer cette vidéo. Ce fut un plaisir de vous présenter cette version de Breath of the Wild. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez envie que je pousse un peu plus loin l'aventure sur Breath of the Wild. Et ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir les notifications. Pour le reste, n'oubliez pas le pouce bleu, ça aide grandement la chaîne. Et n'oubliez pas de commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et amusez-vous bien. Allez, à la prochaine. Ah, et je terminerai par une petite dédicace, encore une fois, à Zex Gaming. Il saura pourquoi, et s'il ne le sait pas, eh ben, il a qu'à se creuser la tête. Allez, à la prochaine.